Donc on voit bien que là, c'est le débat est complètement différent. Mais le fond du problème, c'est quoi? C'est aussi le problème du logement en France. C'est le problème que, ici, pour se loger, c'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que si vous cherchez à vous loger dans la Creuse, et même sans aller dans la Creuse, si vous venez à Dijon, où je vais rentrer ce soir, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Régulièrement, l'administrateur de biens que je suis négocie le montant des loyers avec le bailleur, et même au moment de trouver un locataire. Parce que... Et à la baisse. Alors, je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé la semaine dernière. C'est mon agent de location qui l'a fait. Un loyer de 550 euros. Et on renégocie le loyer avec le bailleur à 520 euros. C'est-à-dire que par rapport à ce que le locataire avait vu, par rapport à ce qu'on pouvait lui proposer, par rapport au marché, j'ai fait comprendre à mon propriétaire bailleur que le juste prix serait plutôt de 520 euros. J'ai donc fait gagner 30 euros par mois à mon locataire. C'est-à-dire 360 euros par an, sur un bail de 3 ans. Ça fait 1000 euros. Est-ce que ça a une valeur ou pas? Si ça n'a pas de valeur, j'arrête. Je ne fais plus. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est une étude qui a été faite dans le 19e arrondissement, il n'y a pas très longtemps, par notre ami Serge Redon, qui a fait une analyse sur les prix à la location comparés entre les particuliers et les professionnels. Et il s'est aperçu que les prix affichés à la location entre les particuliers et les professionnels étaient inférieurs de 3,5% en moyenne pour les professionnels. Ce qui veut dire que quand on en arrive là, ça prouve bien qu'à un moment donné, au moins certains professionnels font le boulot pour réguler le marché. Ce qui est d'ailleurs notre mission. C'est notre mission. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, moi, je dis, dans le projet de loi de Mme Duflot, j'ai réussi à la convaincre, je pense que j'en ai fait partie de ceux qui ont réussi, qui ont participé à ça, que l'état des lieux, qui n'était plus rémunéré, puisqu'on ne reconnaissait plus la facturation de l'état des lieux, était quelque chose qui était une vraie valeur ajoutée pour le locataire, pour le bailleur aussi. D'où le partage des honoraires d'état des lieux. D'ailleurs, dans sa loi, il est marqué frais, et j'ai fait déposer un amendement pour faire changer ce terme-là, puisque si c'est des frais, à la limite, ça peut être des débours. C'est-à-dire que demain, c'est-à-dire qu'on devient un scribe, on devient un fonctionnaire, et on n'a même pas le droit à la rémunération pour le travail accompli. Donc je pense que la terminologie honoraire a toute sa dimension. On a rétabli ça. Et moi, je dis que l'honoraire que le consommateur locataire verse à l'administrateur de biens doit être la contrepartie d'un vrai service. Et alors là, c'est vrai que la question se pose. Si je loue un deux pièces dans la Creuse, c'est 200 euros. Si c'est à Dijon, c'est 450. Et si c'est ici, c'est 1000 euros. Alors c'est sûr que si on assoit la rémunération en pourcentage du montant du loyer, c'est sûr que voilà, on va sur des abus. Et en plus... on ne résout toujours pas le problème de la zone tendue et détendue, parce que ici, c'est vrai que pour être locataire, on fait feu de tout bois. On va aux particuliers, on va dans les agences, et on est intéressé non pas par le service, par le produit, parce qu'on a vraiment besoin d'un logement. Donc ce problème-là, c'est un problème de manque de logement. Alors moi, je trouve ça quand même très fort de café, que finalement on dise, ben, comme on n'a pas réussi à produire des logements là où on en a besoin dans les zones tendues, eh ben, on va couper la tête aux agents immobiliers. C'est vrai, c'est très constructif. Je pense que ça va effectivement produire des logements là où on en a besoin. Donc si on ne distingue pas les zones tendues des zones détendues, et si on ne fait pas un distinguo complètement différenciant entre la transaction et la location, on ne répond pas à la question. La question, c'est est-ce qu'on doit être payé au résultat? Alors, certains chez nous pensent que oui, d'autres non. Le débat existe depuis longtemps. En fait, ce qui s'est produit, c'est que depuis 1982, loi Quillot, et 83, la réglementation, les honoraires ont été réglementés en pourcentage. Ils ont été réglementés en pourcentage et ils étaient plafonnés en pourcentage. Donc dans l'esprit de tout le monde, voilà, on est en pourcentage. Et c'est vrai que moi, quelque part, ça me choque, parce que prendre 10% d'honoraires pour vendre un garage 10 000 euros, ben, c'est pas cher. C'est pas cher. Et prendre... le même tarif sur une propriété qui fait 3 millions, ça ne se justifie pas. Donc on voit bien là qu'on touche la limite de l'exercice et qu'il faudrait à ce moment-là avoir un autre calcul, mais qui sous-entend une révolution culturelle très importante. Parce que, pour dire les choses comme elles sont, on est complètement convaincu qu'il faut que nos collaborateurs soient formés, et leurs patrons encore plus, bien sûr. Mais là, ça sous-entend qu'il faut avoir une vision entrepreneuriale de nos structures. Et
L'atomisation de la profession fait que beaucoup n'ont pas cette vision entrepreneuriale. Et beaucoup se disent, finalement, je vais toucher une com à la fin du mois, ça va aller. Et là, on voit bien qu'ils n'ont pas un budget prévisionnel, ils n'ont pas analysé leurs points morts et ils ne savent pas comment calculer le montant de leurs honoraires. Et très peu de nos professionnels, entre nous, à part peut-être les maisons plus structurées, calculent ça et savent quel est mon négociateur, quand il sort, combien ça coûte. Combien coûte une heure de négociateur? Combien coûte un contact? Et toutes ces analyses-là, si vous voulez, elles sont assez rarement faites. Ce qui veut dire que les entrepreneurs, entre guillemets, qu'on a devant nous, sont des gens qui ne savent pas forcément calculer leur productivité et leur marge. S'ils savaient le calculer, ça ferait baisser ou monter les honoraires, que je comprenne bien? Ça permettrait, en tout cas, d'adapter les honoraires au marché, aux consommateurs, et peut-être de les mettre dans un calcul différent pour regarder où est-ce qu'on gagne de l'argent et où est-ce qu'on en perd. Je prends un exemple qui est très simple. On a plein de professionnels qui font des évaluations gratuites. Aujourd'hui, un particulier qui veut vendre, il a besoin de deux trucs. Il a besoin d'avoir des diagnostics, il appelle un diagnostiqueur. Il a un diagnostic, il a payé. Il a besoin d'une évaluation, il appelle un gars qui fait des évaluations gratuites. Il vient, il ne le paye pas. Il a les deux trucs et après, il peut aller sur Internet et il a la sensation qu'il va pouvoir vendre et que ça va être facile. L'évaluation, c'est une vraie valeur ajoutée. C'est le fruit des années d'expérience, de savoir-faire, d'analyse, de son marché, de son farming, de ce qui se vend, de ce qui ne se vend pas. Et ça, ne pas faire payer l'estimation, c'est une vraie erreur. Et donc là, par exemple, je pense qu'il faudrait déjà dissocier ça. Laurent, je crois, veut réagir, si tu veux bien, Alain, lui donner... Oui, je voudrais réagir sur deux points. Le premier, c'est le modèle économique de la profession. On est passé, je crois, de 12 000 agences en 87 à plus de 30 000. C'est-à-dire que la hausse des prix, 100% en 10 ans, a malheureusement créé des vocations qui n'étaient pas des vocations. Et que ces gens qui ont exercé parfois dans une chambre de bonne à Paris, en se prenant pour un intermédiaire, commerçant, prélevant des honoraires injustifiés, sont venus salir ce métier. Et qu'en moyenne, une agence immobilière française, elle doit réaliser, on va dire, 300 000 euros de chiffre d'affaires et sortir 10% de marge quand elle est très bien gérée, ce qui fait 30 000 euros. Donc quand on parle des honoraires, il est extrêmement important de mesurer les conséquences sur le compte de résultat. Parce que tous ceux qui ont essayé, j'ai lu beaucoup à l'époque des gens, des 1%, des 3%, des machins, ils sont tous morts. Hein. C'est-à-dire que quand on descend sans changer la structure fondamentale du système, la rémunération sous les 4%, c'est direction l'échafaud. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, sur la rémunération, il faut avouer quelque chose qui est dur à avouer. C'est que nous faisons payer à un client le service qu'on a rendu à 4 autres qui ne l'ont pas payé. On fait payer à un client le service qui a été consommé par tous les autres et qui n'a pas réussi à vendre le bien. Là, il y a une solution, on est assez d'accord avec Jean-François, ça s'appelle le mandat exclusif, qui change la donne. Alors le rendre obligatoire, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait interdire le mandat simple, ce serait une façon différente de voir les choses. Voilà, et que la montée en puissance, il y a beaucoup de comparaisons, vous avez parlé de l'Europe, les Américains ont des taux de commission identiques au marché français, hein. Donc je ne sais pas d'où viennent les chiffres. Je crois que c'est ERA qui les a publiés un jour, des différents montants de commissions, parce que ERA a un réseau européen. Les Anglais qui sont hors concurrence. Parce que les Anglais ont été rachetés par des banques, et que les banques se sont mis à faire de l'immobilier et ont vendu les financements avec, et ont baissé les coûts de commission, ce qui n'a pas marché en France. Et les Pays-Bas aussi. Voilà, bon, moi là-dessus, je n'ai pas de souci. Quand je prends d'autres pays, États-Unis par exemple, on a un niveau de rémunération qui est conforme. La différence entre la France et les États-Unis, c'est qu'il y a d'abord la licence initiale pour les collaborateurs. On n'exerce pas ce métier dans un État si on n'a pas la compétence. Et puis, deuxièmement, il y a des fichiers communs. Ça, c'est un truc qui a changé la vie de la profession. Et que sur l'immobilier, la montée en puissance des mandats exclusifs doit changer la donne. Et qu'il ne faut pas se raconter l'histoire. Aujourd'hui, on facture à celui à qui on a réussi à vendre, toutes les actions qui étaient menées en amont, et dans la réflexion que moi je suis prêt à mener, il y a, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour de facturer à un client vendeur qui confie un mandat, une prestation initiale avant les honoraires? Est-ce que ça c'est possible? Parce qu'il y a un paradoxe terrible. En fait, un négociateur immobilier, quand il rentre un mandat, il ne fait pas une vente, il ne prend pas de chèque. C'est facile de rentrer un mandat, puisque quand je fais une vente, en général, un vendeur, intermédiaire, un commerçant, en face du service, il reçoit un chèque. Mais quand on signe le mandat, est-ce que le client fait un chèque? Non.
j'ai pas de chèque, donc c'est assez facile de vendre un mandat. C'est plus dur quand tu es exclusif, mais globalement, on dit au client, ben voilà, monsieur, vous ne paierez que si je réussis. Donc ce moment de vérité lié au paiement de quelque chose, il n'existe pas en immobilier. Et on a des collaborateurs qui sont parfois un peu faciles sur le sujet, qui font beaucoup de promesses, qui surpromettent, et qui sous-rendent. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas le paiement de quelque chose, bah on promet, et puis on essaie d'emporter l'affaire, et le vendeur dit, bon, allez, je vous suis. Si on imaginait demain que ce négociateur, il puisse dire à son client, monsieur, on me confie un mandat, vous allez accéder à tel type de service, ça vous coûtera 500, 1000, 1500, les consommateurs pourront comparer, et là, on aura une vraie vente. Mais il y aura un acte commercial sanctionné par un chèque. Et ça serait une belle façon de baisser les honoraires agences immobilières. Jean-François Buet, sur deux choses d'ailleurs. Une disposition dont on n'a pas parlé, mais qui me semble être approuvée par Laurent Vimont dans le projet de loi, l'obligation de détailler les moyens mis en œuvre dans le mandat, et singulièrement dans le mandat dit exclusif, voilà, hein, qui en effet n'a pas d'existence juridique, mais qui a une existence commerciale qu'on connaît bien. Votre avis là-dessus ? Non, le mandat exclusif, il a une existence juridique. Il a une existence juridique, ce n'est pas le cas du mandat. C'est l'autre qui n'en a pas. C'est l'autre qui n'en a pas. Pardon. En revanche, sur cette analyse des moyens mis en œuvre et sur la conséquence que ça pourrait avoir sur la facturation, sur ce que disait Laurent Vimont, à savoir on fait payer un client pour les quatre autres qui n'auront rien payé, d'ailleurs ni les vendeurs ni les acquéreurs. Est-ce que vous êtes ouvert à une facturation sur le mode de ce que dit Laurent Vimont ou sur un autre mode, mais qui en tout cas sortirait de la méthode actuelle de calcul ? Moi, je suis fermé à rien. On est commerçant, il faut s'adapter. Encore une fois, ce qui est important, c'est déjà de détailler effectivement deux choses. De détailler l'engagement que le professionnel mandataire prend dans le mandat que lui consent le mandant. C'est-à-dire, voilà, je vais faire l'analyse juridique, l'analyse commerciale, le plan de commercialisation, le plan marketing, choisir les supports, payer les supports. Il faut qu'il détaille tout ce qu'il fait. Rédiger le compromis, encaisser la compte, c'est pour moi une certitude. Quand les gens seront formés, bien sûr. Ça permettrait déjà d'expliquer la prestation et le service en contrepartie de la vraie rémunération. Là, après, c'est comment est-ce qu'on pourrait dissocier ? Oui, je crois qu'il y a effectivement des prestations qu'on pourrait dissocier de la vente pure. Il y a des prestations dont le consommateur a besoin. Il a besoin de savoir effectivement si son bien va se vendre en 3 mois ou en 9 mois. Il a besoin de savoir si le prix auquel il veut l'afficher, ça correspond. Il a besoin de savoir sur le secteur d'activité sur lequel il est, s'il y a beaucoup de 3 pièces comme le sien à vendre en ce moment. Il a besoin de savoir quelle est la tendance aujourd'hui des acquéreurs. Est-ce que les acquéreurs achètent bien, n'achètent pas ? Il a besoin de savoir comment vont se passer un certain nombre de choses. Donc ces renseignements-là, ces conseils-là, c'est d'un vrai conseil. C'est les conseils qu'un avocat vend, c'est un conseil qu'un notaire vend, c'est les conseils qu'un médecin vend. Je pense qu'effectivement, on pourrait le dissocier. Est-ce que vous avez l'autorité aujourd'hui, commerciale, je dirais, hein, vous n'êtes pas constitué en ordre, parce que vous venez de citer des professions qui, étonnamment, sont toutes constituées en ordre. Est-ce que vous avez l'autorité nécessaire, d'abord pour que les pouvoirs publics écrivent ça dans une loi, et puis pour que le consommateur l'accepte ? Est-ce qu'on va entrer dans une agence immobilière en se disant, bien, je vais débourser, je ne sais pas, 200 euros pour pouvoir consulter le dossier relatif à l'appartement ou payer 50 euros pour qu'une visite me soit faite. Voilà. Est-ce que vous sentez aujourd'hui dans la relation que vous avez une entreprise, est-ce que vous vous sentez en mesure d'obtenir ça de vos clients demain en transaction ? Oui, juste Henri, une petite précision. Dans les dispositions qui concernent la copropriété, il est question de devoir constituer pour les acquéreurs un dossier avant la négociation, un dossier qui comprendra énormément de choses. Bon, les vendeurs ne le font pas d'eux-mêmes, donc je pense que les agents immobiliers devront le faire. Donc est-ce que là aussi, ce n'est pas quelque chose qui va alourdir la tâche de l'agent immobilier et qu'il faut peut-être envisager de facturer indépendamment de la réalisation de la transaction à la fin, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, et puis c'est peut-être pas celui qui le fait qui va faire la transaction. Mais juste, peut-être une question moi qui me taraude, c'est pourquoi est-ce que la profession ne met pas en avant ces demandes ? Parce que c'est pas des revendications qui ont été exprimées par les professions aujourd'hui, en tout cas
Si vous, au niveau des médias, on n'en a pas entendu parler. Enfin, il y a les médias parmi nous, donc c'est fait aujourd'hui, Alain, c'est fait aujourd'hui, regarde, le président Duhamel le fait. Je crois que ça a déjà été fait, je crois qu'il y a déjà des exemples qui l'ont démontré, il y a déjà des professionnels et des réseaux qui font très bien ça, qui détaillent la mission, qui l'expliquent, qui le mettent à la fois dans le mandat et qui le mettent aussi... Qu'on obtienne le changement du paradigme actuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de facturer quelque chose si vous ne faites pas la transaction derrière. Ça nécessite un changement assez fondamental. Ça, c'est réglementaire. Oui, mais enfin, quand on voit le temps qu'il faut pour faire comprendre au pouvoir public l'importance de faire modifier la réglementation, dire que voilà. Est-ce que c'est pas le moment de le faire? Mais c'est toujours le moment. Je veux dire que bien sûr que ça l'est. Bien sûr que les débats, il suffit de reprendre ce qui a été écrit dans nos commissions, dans nos différents syndicats, pour s'apercevoir que oui, c'est le moment. Je veux dire qu'il y a une telle attente, il y a un tel laxisme des pouvoirs publics à laisser faire n'importe quoi et déréglementer à tout va. Bon, qu'aujourd'hui, si vous voulez, ça nous semble être un combat, mais il y a plein d'autres choses à faire avant. Gabriel Pacheco. D'abord, je vais en deux mots présenter son institution. Tout à l'heure, Alain a dit que c'est le CIREMI, comme si tout le monde connaissait le CIREMI. On n'est pas encore obligé de connaître le CIREMI, parce qu'il n'y a que quelques mois que ce syndicat s'est constitué. Il rassemble donc... En effet, les réseaux de mandataires en immobilier, je pense qu'il sera utile, Gabriel, que vous nous disiez ce que c'est. Ce nouveau modèle, relativement nouveau modèle d'exercice, il a été évoqué aussi bien par Laurent que par Jean-François. On n'est pas sur un modèle d'exercice que je qualifierais de traditionnel, je parle avec ces personnes, avec des agences vitrées, avec des boutiques physiques. On est sur une dématérialisation. Alors, des questions ont été posées qui vont directement vers vous, mine de rien. Niveau moyen des honoraires, est-ce qu'aujourd'hui il est satisfaisant en vente ou en location? Je crois que les réseaux de mandataires font surtout de la vente, mais on pourrait parler des deux. Est-ce que votre façon d'exercer l'intermédiation vous permet d'être à des niveaux moindres, et fallait-il être à des niveaux moindres? Est-ce que le sujet se pose? Ou est-ce que la valeur ajoutée pouvait continuer à défendre des niveaux supérieurs? Voilà. Et est-ce qu'effectivement, la question de la valeur ajoutée vous interpelle, parce que vous avez une valeur ajoutée moindre ou égale à celle des autres? Il y a eu des procès d'intention plus ou moins vifs. On a entendu ces derniers mois, les réseaux mandataires, c'est pas des vrais agents immobiliers. Ils ne rendent pas le même service. C'est un service dégradé. On a parlé de low cost. Voilà. Autour de tout ça, il nous a paru avec Alain qu'un représentant des réseaux de mandataires, vice-président du syndicat en l'occurrence, mais patron d'un réseau, vous-même, devait forcément être au cœur de ces questions. Oui, effectivement, beaucoup, beaucoup de questions, large questions, large problématiques. Alors, effectivement, le CIREMI, comme vous l'avez dit, Henri, donc c'est un syndicat constitué l'année dernière, en 2012. Les réseaux mandataires, aujourd'hui, c'est environ 10 000 mandataires indépendants, donc c'est pas neutre. Hein. C'est 500 salariés au niveau des sièges. Et pour être complètement exhaustif, moi-même, je suis le président d'un de ces réseaux qui s'appelle Safety et qui a aujourd'hui près de 500 conseillers indépendants et une trentaine de salariés. Voilà. Alors les mandataires sont des agents commerciaux, travailleurs, non salariés, hein, pour être tout à fait clair sur leur statut. Voilà, tout à fait. Alors comment, pourquoi est-ce que ça existe des réseaux mandataires? Tout simplement parce que jusqu'à il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas d'Internet ou peu d'Internet et surtout pas de haut débit. Donc l'acquéreur devait aller en boutique, en agence, à la vitrine, regarder à la vitrine les différents biens à acheter. Depuis, avec le développement d'Internet, plus personne, ou très peu de gens, très peu d'acquéreurs en tout cas, se rendent dans les boutiques physiques. Ils vont principalement, à plus de 90%, sur Internet, sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur Explorimo, enfin, sur des centaines de sites Internet différents. Et donc, c'est cette évolution technologique qui a permis le développement des réseaux de mandataires. Pourquoi? Parce qu'il ne sert plus à rien, en tout cas selon nous, hein, d'avoir une vitrine physique, d'avoir une boutique qui va coûter cher, hein, parce qu'il y a un pas de porte, il y a un aménagement d'espace qui va coûter souvent 20 000 euros, le pas de porte c'est 50 000, le loyer ça va être 1 000 ou 1 500 euros, et puis il faut une permanence, une secrétaire, bon, tout ça c'est des coûts extrêmement importants, effectivement, et qui nous semblent aujourd'hui inutiles. Ouais, bon,
J'imagine que Laurent Vimont ne sera pas d'accord avec moi là-dessus, mais c'est normal, chacun son modèle économique. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, avec les technologies, on se rend compte que nos conseillers qui sont des indépendants peuvent travailler depuis chez eux, en home office, ce qui aurait été impossible il y a 10 ans, évidemment, au vu de la technologie. Donc concrètement, quel est leur métier? Ils vont travailler depuis chez eux, ils vont ensuite faire de la prospection pour trouver des mandats en proximité, donc là aussi c'est important, c'est des acteurs de proximité. Hein, on est dans la proximité, ça leur permet de mieux estimer les biens, de connaître véritablement la valeur du marché, hein, de se positionner finalement comme un commerçant. Là, je reprends effectivement l'expression de Jean-François Babier, c'est tout ça. Et ensuite, ces biens-là, on va les diffuser sur des centaines de sites internet, de manière à ce que, derrière ça, il y ait des appels de la part d'acquéreurs, et puis ils fassent les visites jusqu'au compromis qui sera fait devant le notaire, parce qu'il nous semble que juridiquement, en tout cas, c'est beaucoup plus clair et c'est beaucoup plus simple, et il n'y a pas de difficulté si c'est fait devant le notaire. Et ensuite, jusqu'à l'acte de vente. Donc le métier conseiller en immobilier, je l'ai indiqué, et le métier de la tête de réseau, qu'est-ce que c'est? C'est de recruter des conseillers, c'est surtout de les former, hein, c'est-à-dire j'insiste sur l'aspect formation, c'est un élément essentiel, la formation évidemment des conseillers, par des formations présentielles. Généralement, dans mon réseau, par exemple, il y a 70 heures, 2 semaines de formation, on va dire, obligatoire sur la première année. Il y a des formations téléphoniques toutes les semaines. Il y a des modules de e-learning, il y a une 20aine de modules de e-learning, etc., etc. Donc l'aspect formation, c'est un aspect essentiel. Dans nos réseaux, hein, aujourd'hui, là, je reprends ce qui était dit dans la loi, il y a, par exemple, dans mon réseau, une ERCP qui est obligatoire. Et donc, effectivement, je suis très content et très satisfait. ERCP des mandataires, hein, pas de... Des mandataires, oui, et de la tête de réseau également. Mais voilà, je suis très satisfait, effectivement, que ça ait été repris dans le projet de loi. Donc, on est favorable, moi je suis très favorable, au Conseil national, à la création d'un Conseil national. Il faudra voir quelle est sa composition et l'équilibre, effectivement, au sein de ce Conseil. On est très favorable et très content, et le CIRI milite pour ça, à ce qu'il y ait des obligations de formation initiales et continues. On est favorable à ce qu'il y ait une ERCP, évidemment. Bon, après, sur l'affichage des prix, on est beaucoup moins favorable, parce que là, on pense, effectivement, là, je reprendrai les termes de M. Vimont, que je ne connais pas un seul métier dans le monde où, effectivement, un commerçant va afficher sa marge, surtout quand il y a possibilité de passer de gré à gré. S'il n'y avait pas la possibilité de passer de gré à gré encore, je ne dis pas, pourquoi pas, qu'il affiche, effectivement, qu'on ait le choix entre le magasin de meubles 1 et le magasin de meubles 2, qu'on affiche la marge de chacun en disant bah, ils doublent leur marge l'un et l'autre. Pourquoi pas? Ça mettrait les gens en concurrence. Mais là, ça nous met en concurrence frontale avec le PAP, qui a déjà 40% du marché. Et ça renforce le PAP parce que bah, ça décrédibilise, ou en tout cas, on pense que ça va avoir tendance à décrédibiliser le professionnel. D'autant plus que dans ce pays, tout le monde le sait, on n'aime pas le service. On aime le produit, mais on n'aime pas le service. On n'a pas la culture du service dans ce pays. Moi, quand je compare aux pays anglo-saxons, ils reconnaissent la valeur ajoutée liée au service. Nous, on a du mal à la reconnaître. Et donc, ça va donner des arguments au PAP pour dire « Ah non, quand même, 8 000 € de frais d'agence, ah ben, effectivement, je préfère même pas appeler et je préfère aller vers un autre bien uniquement vers le PAP. » Et ça n'aurait pas été votre intérêt, je me fais l'avocat du diable, mais on a entendu cet argument aussi. Les réseaux de mandataires ayant en moyenne, mais répondez aussi là-dessus bien sûr, hein, des niveaux d'honoraires inférieurs, même si après ce qu'a dit Laurent Vimont, on peut en douter, mais est-ce que votre intérêt n'aurait pas été qu'il soit affiché, ou ne serait pas, parlons futur, qu'il soit affiché pour vous démarquer des réseaux vitrés ou des agents immobiliers traditionnels? Après je répondais effectivement sur un certain nombre d'attaques, hein, mais moi je suis là pour être vraiment constructif, hein, et je ne suis pas là dans la polémique. Concrètement, notre sujet, ce n'est pas les réseaux vitrés. Notre sujet, c'est de se dire, aujourd'hui, c'est les particuliers. Il faut arrêter avec les acteurs virtuels aussi, parce qu'on n'est pas virtuel, on est physique, les gens travaillent depuis chez eux. Bon, écoutez. Bon, donc justement, le débat, c'est le particulier à particulier. Aujourd'hui, c'est 40% de la part de marché. Ça va aider le particulier à prendre plus de parts de marché. Effectivement, on pourrait se réjouir, mais ce n'est pas du tout notre cas, en se disant, on va être moins désavantagé que les agences traditionnelles, parce qu'effectivement, Laurent Vimont parlait de 4,5% d'honoraires réels, effectivement. Moi, ce que j'avais entendu, c'était 5%. Donc, effectivement, j'adapte mes chiffres, probablement à la réalité et à la difficulté du marché. Mais nous, on est autour de 3,5%. Voilà, une moyenne constatée. Je suis désolé, ça fait quand même une grosse différence. Entre... Sur les barèmes publiés, en fait. Eh bien, évidemment. Que c'est plus des barèmes qui ont été faits sur les honoraires. Les honoraires qui sont à 4,5% par les 3%. Donc là, il faut sortir. Je suis persuadé que si j'étudie votre barème, il est en moyenne à 5,5%, parce qu'à post-négo, il est à 4,5%. Vous dites le mien, il est plus bas. J'ai pas dit que le barème était plus bas, j'ai dit que la réalité était plus basse. Ben si. En tout cas, Gabriel, moi je voudrais juste réagir sur un truc que je trouve absolument extraordinaire. On m'explique aujourd'hui, et je n'oppose pas les uns aux autres, que le fait d'être un acteur virtuel
permet de ne plus payer. On n'est pas acteur virtuel. On n'est pas acteur virtuel. Comment je vous appelle ? Mais des réseaux de mandataires. Un réseau de mandataires. Voilà. Permet grâce à Internet d'avoir un service qu'on peut payer moins cher, puisqu'on n'a plus les affreux frais de location, de pas de porte, de machin, qui apparemment sont insupportables. Et quand on échange, à Paris, dans un horaire, ils ne sont pas loin les uns des autres. Donc, si 1%, entre 4,5, ils sont 20% moins chers, entre 4,5 et 3,5, ouais, monsieur, ça fait... Attendez, vous comparez, si moi, tout de suite, je vais chercher ceinturie, la grille ceinturie d'honoraires, elle n'est pas à 4,5, elle est à 5,5 ou 6, et vous dites, post-négociation, elle est en réalité à 4,5, c'est ça que vous dites. Et moi, je vous dis, en réalité, nous, elle est à 4,5, et post-négociation, elle est à 3,5. Donc, il y a un différentiel de 1 point, et je suis désolé, c'est 1 point, ça fait 20%, c'est 20% dans la poche du consommateur pour un service qui est aussi bon, voire meilleur chez nous, je suis désolé. D'où l'importance de la prise de part de marché. Alors, je voudrais juste calmer le débat. Il n'y a pas de barème national chez nous. Ça serait une fraude. On ne peut pas imposer à des franchisés un barème national. Donc bon courage pour trouver le barème, il n'existe pas. Okay ? Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, sur le positionnement des mandataires, on ne vous a pas attendu pour être présent sur Internet. Et d'ailleurs, le site Century 21 France que je représente a un trafic qui est largement supérieur à n'importe quel site de mandataires existant. Donc il ne faut pas me raconter la messe et m'expliquer que vous avez... Mais nous, on ne paye pas. Ou pourquoi ? Voilà. Non, on ne paye pas, on refuse de payer. Mais ce que j'explique juste, c'est... Vous n'êtes pas sur ce loger, Century ? Ce que je vous explique, c'est que j'aimerais simplement, pour débattre de façon paisible, qu'on arrête de me donner des leçons et qu'on m'explique que vous avez inventé l'eau tiède, le fil à couper le beurre, et que globalement, vous avez compris avant tout le monde qu'Internet allait changer la façon de faire ce métier. On n'est pas trop couillons, et ça fait 15 ans qu'on s'y intéresse. Je ne sais pas. Et que, Laissez-moi justifier pourquoi je dis ça. Mais madame, on me met à côté de ce monsieur contre lequel je n'ai absolument rien. On va faire intervenir on fait ce métier depuis 25 ou 30 ans à peu près, et il y a des gens qui donnent des leçons et qui disent « Vous n'avez rien compris, ça va tout changer, je vais finir. Vos frais de vitrine, c'est nul. Vous êtes aujourd'hui 10 000 acteurs, turnover 60%, dans 10 ans, on en reparle. Point. Oui, on en parle dans 10 ans. Bon, attendez. Alors, Gabriel... Non, je suis obligé un peu de répondre. Gabriel, un mot ensuite, je voudrais que le président de la FNAIM, parce qu'encore une fois, il y a une vision panoramique nécessairement dans une organisation comme la sienne. Bon, qu'on parle de cohabitation, c'est pas le sujet du jour. Moi, j'ai entendu, je crois qu'il faut s'en réjouir, qu'il y a une position commune sur le refus d'afficher les honoraires, quel que soit leur niveau moyen. Gabriel, au nom de son modèle, je dirais, d'exercice, dit... ils sont plutôt de l'ordre de 20% moins chers. On est d'accord, on n'est pas d'accord. En tout cas, il nous l'a dit, on l'a entendu. Boutique, pas boutique, etc. À la limite, c'est le problème du commerçant de savoir est-ce qu'il va réussir à trouver un modèle économique et à trouver un client qui accepte de payer pour sa prestation. Si vous voulez, moi, je ne critique absolument pas votre manière d'exercer. Je dis juste que, effectivement, nous, on est... par ce mode d'organisation en moyenne un peu moins cher, et qu'il y a des consommateurs que ça intéresse aujourd'hui de payer moins cher pour un service qui nous semble être tout à fait comparable. Tout à l'heure, vous disiez, vous avez l'air de dire qu'effectivement, il y avait des problèmes de formation chez les mandataires. Moi, je vous dis, on est vraiment à la pointe sur ces sujets-là. Tout à l'heure, vous avez dit effectivement des acteurs... vous l'avez dit. Bon, vous êtes en tout cas, écoutez, vous êtes en tout cas d'accord sur l'importance de la formation. Des acteurs nouveaux, vous avez dit, la phrase c'est des acteurs virtuels qui effectivement ne sont pas des vrais professionnels. Non. Vous avez dit ça tout à l'heure, je l'ai noté, mot pour mot. Mais bon, écoutez, admettons que vous ne l'ayez pas dit. On verra les ventes alors. Hein, écoutez, vous constatez, vous êtes d'accord de toute façon qu'on parle des réseaux de mandataires des agents immobiliers traditionnels, l'importance de la formation, vous la partagez. Bon, donc... Jean-François Buet, qui en plus a des obligations aussi de nous quitter dans pas très longtemps, je voudrais qu'il puisse réagir à ça. Niveau d'honoraires, modèle économique différent, c'est un point important. Jean-François Buet a parlé de calcul de points morts, il a parlé d'économie, il a introduit cette préoccupation-là. On ne peut pas s'en dispenser, on parle d'entreprises, qu'elles soient avec des vitrines ou sans vitrines. Il y a des entreprises qui ont besoin de gagner de l'argent pour vivre, pour être pérennisées. C'est un sujet que vous avez avec les pouvoirs publics. Si des dispositions condamnent les entreprises et les emplois, on n'est pas rendu. Donc, vous avez parlé de modèle économique. Laurent Vimon a parlé de modèle économique. Il a dit aussi, si on baisse en dessous d'un certain niveau, on ne pourra pas rendre le service et c'est la mort des entreprises.
Modèle économique, est-ce que c'est un vrai sujet? Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui qu'un modèle économique différent, ou en faisant évoluer les vôtres, vous pourriez modifier les niveaux d'honoraires et voire les modérer? Quel est votre avis là-dessus ou sur tout autre sujet, là? Monsieur El Kabbach, c'est votre question, ce n'est pas ma réponse. On se gourre de sujet depuis le début. On n'est absolument pas du tout dans le vrai débat. C'est pour ça que je boue. Mais cette expression d'agence vitrée, mais elle vient d'où? Moi, à Dijon, je n'ai pas de vitrine. Je suis bien embêté. Et ça fait 30 ans que je gère ce métier, ça fait 30 ans que je vois des professionnels de renommée, compétents, qui travaillent sans vitrine. Qui travaillent dans des bureaux, qui travaillent de chez eux. Là, on a inventé l'eau chaude. C'est exceptionnel, comme vient de le dire Laurent, on a inventé l'eau chaude. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un côté des agences qui ont une carte professionnelle délivrée par la préfecture et à côté des agents commerciaux qui travaillent pour une agence qui est à distance, qui est d'ailleurs souvent à très grande distance. Je suis factuel, je ne suis pas critique, c'est tout. Mais moi, j'ai tout à fait aujourd'hui, avec ma carte professionnelle délivrée par la préfecture de Côte-d'Or à Dijon, la possibilité d'avoir un agent commercial qui soit à 200, 300, 500 km. À partir de quel stade on est une agence dite traditionnelle et à partir de quel stade on est un réseau de mandataires? Quand on a deux commerciaux, 3, 10, 20, 30, 100, posez-vous la question. Vous n'y répondrez pas. Vous ne répondrez pas parce que le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que, encore une fois, on n'appelle pas un chat un chat. Le consommateur, ce qui est important pour lui, c'est de savoir qui il a en face de lui. Monsieur Dupont, quand il ouvre la porte de son appartement, il y a quelqu'un qui rentre, il peut être avec ou sans cravate, il veut savoir s'il a en face de lui quelqu'un qui est compétent. Et dans le schéma économique de notre réglementation d'aujourd'hui, ça peut être le titulaire de la carte professionnelle ou son salarié ou son agent commercial. Lui, le consommateur, il ne le sait pas. Et d'ailleurs, ça ne l'intéresse pas. C'est normal. On le comprend. Pour autant, ce n'est pas la même chose. Et quand j'entends dire que les agents commerciaux à distance, qu'on appelle les mandataires pour pouvoir dissocier, pour pouvoir dire les agences vitrées, ce qui n'a rien à voir. C'est stupide d'opposer les gens comme ça. Quand on entend dire que les agents commerciaux ne rédigent pas les compromis parce que c'est mieux, c'est pas que c'est mieux, c'est qu'ils ne peuvent pas. C'est que la loi leur interdit. Bon, donc on va commencer par ça. Hein. Donc appelons une agence, appelons un négociateur, salarié ou non salarié. Et j'ai pas de honte là-dessus parce que j'ai demandé que la formation et la compétence des négociateurs dans les agences, qu'elles soient des agences locales ou des agences avec plein de commerciaux sur toute la France, j'ai demandé que les négociateurs, salariés ou non salariés, aient le même niveau de compétence et de formation continue. Parce que ce qui m'importe, c'est ce qu'attend le consommateur. Voilà. C'est le cas dans le projet de loi. Hein. Et c'est, mais, de... Bah oui, c'était repris, merci. Même si Cécile Duflot dit que c'est elle qui l'a inventé, c'est quand même moi qui lui ai soumis. Bon. Ça m'a mis en colère aussi, ça. Donc il faut replacer les choses dans leur contexte. Et effectivement, pour le consommateur, alors après, chacun son schéma économique. Mais le schéma économique entre avoir... moi, à Dijon, j'ai 7 commerciaux, 5 salariés, 2 agents commerciaux. Donc je n'ai pas non plus de problème particulier par rapport au fait qu'ils soient salariés ou pas. On a des confrères, j'ai des confrères qui, parce qu'ils vendent des châteaux, ont un agent commercial par région. Est-ce que c'est un réseau de mandataires? Peut-être, peut-être pas. Dans le sens où vous l'entendez. Moi, je dis que déjà là, on n'utilise pas la bonne terminologie. Il y a les agences et il y a les commerciaux. Voilà. Mais monsieur, il y a quand même quelque chose de dérangeant dans ce que vous dites. Parce que, en fin de compte, moi, je suis d'accord que, en fait, qu'il y a une espèce de fondu enchaîné qui est entre les... la façon, je dirais, traditionnelle, mais je sais que vous aimez pas le, vous n'aimez pas le terme, mais les agences traditionnelles et les réseaux de mandataires, et qu'il y a pas mal d'agences... Non, monsieur Papadopoulos, je ne vous laisserai pas dire ça. Parce que si vous dites ça, vous transformez le débat, c'est plus le bon débat. Vous avez des agences immobilières et vous avez des commerciaux. Bon, ben, si. Mais bien sûr, monsieur, mais vous avez la carte T et je vous parle d'homme à homme et de confrère à confrère, parce que vous avez une carte et que j'en ai une. D'abord, ils ont une attestation. De la même façon, ils ont la même attestation. On est mais, oui, mais donc ne parlez pas. Ne parlez pas. Ne parlez pas. Arrêtez de vouloir opposer. Vous savez, c'est pas celui qui parle le plus fort qui a toujours raison. Mais ça marche, en tout cas. Non.
Je n'oppose pas. Mais appelons un chat un chat. Vous êtes une agence immobilière comme moi, mais vous ne pouvez pas comparer. Vous ne pouvez pas comparer les 10 000 commerciaux que vous avez cités tout à l'heure. Malheureusement, je n'en ai pas avec dit, le nombre du réseau que vous représentez. Je n'ai pas dit vous, puisque vous représentez Thierry Mis, si je crois. Oui, c'est ça. Voilà, bon, donc vous ne pouvez pas comparer les 10 000 commerciaux que vous représentez avec les agences qui sont en face. Comparez les 10 000 commerciaux que vous représentez avec les commerciaux de toutes les agences que je représente. Et là, on parlera de la même chose. Je voudrais juste peut-être préciser quelque chose dans la différenciation entre Jean-François et vous. C'est que dans la profession d'agent immobilier, au sens où moi je l'entends, et où tu l'entends toi, les gens qui intègrent le système, qui intègrent ce métier, ils intègrent une entreprise qui leur apporte des services et qui leur dit, voilà, notre contrat, c'est je vous rémunère tant si vous êtes salarié et puis je vous redonne tant si vous êtes agent commercial, alors que, à ma droite, pour travailler, il faut payer. C'est-à-dire que l'accès aux services des réseaux consiste d'abord à facturer aux agents commerciaux un service qui va de 150 à 400 euros par mois. Je ne me prends pas trop sur les chiffres. Oui, mais est-ce que... C'est-à-dire que le modèle économique, la différence du modèle économique entre les deux parties, c'est d'un côté, on intègre une entreprise qui apporte un ensemble de services, formation incluse, accès aux publications, etc., etc., etc. Et de l'autre, et moi c'est ce qui m'a peut-être le plus dérangé dans l'opposition que j'ai sur ce modèle, c'est que dans un pays où il y a 12% de chômeurs, on demande à des gens pour travailler de payer de façon certaine entre 150 et 400 euros par mois. Et s'il y avait une différence fondamentale, elle est pour moi sur ce point particulier. Mais je vois que vous êtes vraiment... Alors, il y a plusieurs choses. Répondez-moi doucement, sans me menacer, s'il vous plaît. Gentiment, s'il vous plaît. Ça va, je suis... Je voudrais juste accueillir en votre nom à tous, Christophe Caresch, député, membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale, député de la majorité. Voilà, donc je l'en remercie, lui aussi, il a un emploi du temps que vous pouvez imaginer. Mais voilà, ça ne le dépayse pas, il a un amphithéâtre qui ressemble à l'hémicycle et il a des débats assez vifs. Donc c'est bien parce que ça lui permet d'écouter cette fin de première table ronde, de la deuxième, et puis de conclure. Merci beaucoup. Comme le président Buet doit partir rapidement, je voudrais quand même poursuivre moi, ce que je disais. Finalement, si je vous comprends bien, vous dites qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les différentes façons d'exercer le métier. C'est-à-dire qu'il y a des agents immobiliers, il y a des porteurs de cartes professionnelles, il y a des négociateurs, des négociateurs qui sont sous statut de salarié, des négociateurs qui sont sous statut d'agent commercial. Il y a aujourd'hui beaucoup d'agences que je qualifie, pardonnez-moi, de traditionnelles par commodité, mais qui ont leurs propres négociateurs à proximité, mais qui ont aussi maintenant des réseaux de mandataires, d'agents commerciaux à distance. Bon, alors finalement, je dis, il y a quelque chose de dérangeant, parce que si c'est vraiment la même profession, si c'est vraiment la même chose, s'ils n'ont pas inventé l'eau chaude, comment se fait-il qu'ils ont des taux d'honoraires quand même en moyenne plus faibles? Mais alors, je peux vous dire que c'est pas, il y a pas que. D'abord, c'est pas vrai toujours systématiquement parce que les honoraires sont libres. Et puis, il y a plein de confrères qui aujourd'hui ont des honoraires qui sont la moyenne des honoraires caisse de garantie ex FNIM Galian, c'est 4,50. Hein. Donc voilà, ça rétablit la vérité, c'est ce qui est constaté. Le débat, il n'est pas là. Le débat, c'est que on veut nous faire croire qu'on a inventé un nouveau système. En fait, les choses se font, vous savez, dans la vie, les choses, elles se font naturellement. C'est pas, il n'y a pas une rupture, il n'y a pas, je veux dire que comme si l'agent immobilier que je suis depuis 30 ans avait découvert hier matin qu'il y a un truc qui s'appelle Internet. Bon, je suis pas bien doué, mais je suis quand même un peu au courant de ce qui se passe. Sinon, je ne serais pas à la place dans laquelle je suis. Il y a bien longtemps que... Et puis, s'il vous plaît, monsieur Papadopoulos, s'il vous plaît, arrêtez dire agence traditionnelle, agence vitrée, agence ceci, agence cela. Il y a les agences immobilières... J'ai compris, vous l'avez déjà dit. Les agences immobilières... Oui, mais je vous l'avais redit. Donc, je me répète. Et puis, appelez les commerciaux, des commerciaux. D'ailleurs, les commerciaux, ils peuvent être salariés ou non salariés. Et c'est très bien. Et il y a une liberté de choix. Et c'est parfait. Mais... Appelons un chat, on y gagnera en compréhension. Moi, j'ai plein de confrères dans mes adhérents qui ont des commerciaux et qui ne sont pas limités à avoir des commerciaux qui viennent à l'agence tous les matins. Il y a, j'ai moins commercial, par exemple, dans une agence qui n'est pas à Dijon, un commercial qui fait des propriétés rurales. Je le vois 4 fois par an. Et il est agent commercial. Est-ce que je suis un réseau de mandataire? Je crois que ça n'a pas de...
justification. C'est à partir de quand, je reviens à ma question tout à l'heure, à partir de quand, à partir de combien de commerciaux est-ce qu'on est plus ce qu'on appelle une agence ? On est une agence, on est une agence. Monsieur est une agence immobilière, je suis une agence immobilière, j'ai des commerciaux, il a des commerciaux, voilà. Maintenant, la question, elle est simple. De temps en temps, il y a des consommateurs qui disent ben, « Moi, j'ai envie d'avoir une certaine compétence, j'ai envie de pouvoir venir à l'agence, je veux, par exemple, effectivement, pouvoir voir le patron. Moi, j'ai, lundi matin, un rendez-vous qu'un client qui dit « Moi, j'ai votre commercial, mais je veux vous voir. » Voilà. Et ben, il peut me voir. C'est tout. Oui. Bon. Assez... C'est vrai que c'est un peu facile de mettre ça sur le dos des réseaux de mandataires. Hein. Nous, comme on le dit, on est très axé sur la formation, sur la compétence. Et là-dessus, je pense que personne ne pourra nous prendre en défaut. On forme beaucoup plus que beaucoup d'agences. Pas toutes, hein. Il y a des réseaux d'agences qui forment bien. Mais quand même, ce qu'on entend sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup d'agences où il n'y a absolument pas de formation. Dans les réseaux de mandataires, les formations sont obligatoires. Je voudrais quand même aussi insister sur un point. Quand même. L'immobilier, on le voit dans les sondages, hein, depuis des années et des années, les sondages font que l'agent immobilier est une des professions les plus détestées par les Français. Et ça, c'est pas récent. Les hommes politiques aussi, d'ailleurs. Et souvent... Oui, c'est sur la même liste. Ils sont à peu près ex-aequo. On a tout aujourd'hui ici. On a des journalistes, un homme public et on a des agents immobiliers, donc c'est bien. Non, mais ça, c'est le cas. Mais c'est pas depuis hier. C'est depuis 5 ans, depuis 10 ans. C'est-à-dire, et encore plus détesté que les banquiers et les assureurs. Ils sont là aussi. Ils sont là aussi. Voilà. Non, mais est-ce que c'est la faute aux mandataires qui n'existaient pas il y a 5 ans. Est-ce que le fait qu'ils existaient, ils existaient, ils faisaient 1%. Aujourd'hui, on fait seulement 7% du marché, hein, nous, les réseaux de mandataires. Oui, c'est étude Xerfi, 7% du marché, c'est pas Pacheco. 7% du marché, 7% du marché de la transaction immobilière. Ça fait à peu près 25 000 transactions. Oui. Ben ça fait moins que ça, ça fait ça. Non, 35 000, pardon, 35 000. Ils disent 35 000. Donc on ferait moins que 7% du marché. Mais justement, si on fait moins que 5% du marché... Alors, ce n'est pas le sujet du jour. Henri, je finis ma phrase. Si on fait justement moins de 7% du marché, et tu Xerfi, je le redis, c'est 7%, et a fortiori, il y a 5 ans, on n'existait pas, on faisait 1 ou 2% du marché, comment se fait-il que les agents immobiliers soient la profession la plus détestée des Français ? Qu'on dise qu'il manque de compétences, qu'on dise qu'il manque de formation, c'est la faute des mandataires ou c'est la faute des formations des agences traditionnelles ? Voilà. Je pose la question. À vous d'y répondre. La réponse est dans la question. Eh bien, écoutez, moi, je pense que je pense que le marché le dira. On verra l'évolution. Je suis quelqu'un d'ouvert. Je pense que nos professions ont opéré une mutation profonde déjà depuis une dizaine d'années. Il n'y a pas une révolution. On n'a pas inventé des trucs, des schémas, etc. Les choses se sont énormément complexifiées et ont changé énormément dans le métier de la copropriété également. Moi, je dirais simplement que sur la formation, sans entrer dans le détail, je veux pas polémiquer, parce que ça sert à rien, c'est un peu assez stérile, mais je vois que dans la formation, aujourd'hui, moi, je suis partisan que pour de la formation continue, on rende obligatoire un certain nombre de cursus. Parce que la formation marketing, la formation internet, la formation de répondre au téléphone, la formation comportementale, ça, pour moi, c'est de la formation commercial qui ne doit pas être dans les formations obligatoires. La formation obligatoire, ça doit être pour moi, pour un commercial, négociateur, salarié ou non salarié, ça doit être l'obligation de connaître la loi de 65, parce que quand on vend un appartement, si on ne connaît pas la copro, moi je dis l'honoraire. On veut des agents et non pas pervis parce qu'on a besoin d'un logement. Et ben on va couper la tête aussi. C'est très constructif. Thank you.
10%. Donc,